bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Bâtiment 2014 sur le circuit des documents de vente. Nous verrons comment créer un devis, le transférer en facture, mais également toutes les options proposées lorsque vous êtes sur un devis ou une facture par rapport justement à lorsque vous appelez des ouvrages, et bien si on veut visualiser l'ensemble de l'ouvrage ou juste le global et voir toutes les possibilités que vous offre la création d'un devis. Vous avez plusieurs possibilités pour créer un devis. Vous avez ici ce qu'on appelle le volet de navigation, donc ici vous avez le bouton nouveau devis. Vous pouvez aussi dans le menu ici horizontal cliquer sur le bouton nouveau devis, ou enfin dans le menu traitement, si vous prenez documents de vente, vous avez ici tous les onglets pour les documents de vente possibles, soit des devis, facture, avoir, facture d'acompte ou avoir d'acompte. Et donc lorsqu'ensuite on veut créer un devis, eh bien on fait ajouter. Ici je veux donc un devis. Donc on va voir tout ce qu'il est possible de faire par rapport à un devis. Donc déjà par rapport ici à la validité du devis, donc ici c'est par rapport aux propriétés du dossier, donc il y a le tutoriel qui vous explique comment mettre une validité donc là de devis, ici c'est par rapport à 60 jours par exemple. Vous avez un statut de devis, alors ça c'est vraiment très très intéressant, donc